lycéenne, j'étais loin d'imaginer que ma vie allait basculer, devenir une succession de troubles. Comment être acceptée dans les cercles des camarades, alors que je n'étais pas de ceux qui passaient leurs copies aux amis lors des devoirs? La solitude m'embrassait. Le mépris s'est dessiné de par leurs regards abaissants. J'étais leur proie. Ils saisissaient chaque occasion pour critiquer mon physique et se moquer de ma réaction. J'étais apeurée à chaque fois qu'il me venait l'envie de m'exprimer à leur présence. Je marchais comme sur des braises pour me rendre à l'école et avais le ventre noué jusqu'à la descente. 17 ans. Très fière de mon admission au bac. Enfin libre d'exprimer mon génie sans peur, loin de tous ceux qui me font me sentir différente. Une autre étape de ma vie, un nouveau visage de ma vie. La déception fut grande, car ici, en plus d'être celle qui ne partage pas ses devoirs, je ne devais pas poser de questions, encore moins répondre aux interrogations des enseignants. C'était me faire voir. Je devais encore fuir, disparaître pour me défaire de leurs emprises. J'anticipe le BTS. Je voulais fermer les yeux et ne plus les rouvrir. J'étais ouvertement mélancolique. Cela affectait beaucoup mes parents. Ma mère passait certaines décennies à me lire des versets du Coran dans les oreilles. La soutenance de mon brevet de technicien supérieur ne se fut pas non plus sans embûches. Celui que j'ai pris comme encadreur n'a pas corrigé mon document jusqu'à l'arrivée de la date butoir. Je n'avais donc d'autre choix que de soutenir sans l'attendre, ce qui ne lui a pas plu. J'ai vu l'ego et la vanité sous toutes ses formes. Il me traquait du regard, il me cherchait. Des fois c'était des mots, d'autres fois des regards perçants. Puis s'en ont suivi les menaces. Je veux tout faire pour que tu ne réussisses pas. Je veux te bloquer. J'avais le cœur qui tambourine dès que j'entends le coup de sa voix. J'avais peur qu'il me cherche encore des noises. J'avais l'impression de courir à bout de souffle pour chasser. On me demandait d'implorer son pardon. C'était injuste. Pourquoi me condamne-t-on moi? Pour d'autres, c'était un malentendu. Pour moi, c'était de l'acharnement. À peine ai-je commencé à me libérer de cette histoire qu'un autre frôla le pas de ma tranquillité. Il s'est dit qu'il avait le dessus sur moi. Je devais me soumettre à toutes ses exigences obscènes. Était-ce la fatalité qui me jouait des tours ou ai-je juste une tête à être malmenée? Il m'a dit que je serais bientôt sienne, que je dormirais. Je ne suis pas un objet. Tu perds de naître avec moi alors que d'autres n'attendent que ça. Je n'ai jamais émis le besoin d'être avec personne, encore moins lui. Ma dignité me l'interdit. Mon honneur est beaucoup trop précieux pour que je le gâche de la sorte. J'ai trop longtemps subi. Je n'ai rien à perdre. Ni ma vie, ni mes études, encore moins un travail. Je pense que mon âme est déjà assez meurtrie comme ça. À présent, je n'ai plus peur. Plus peur de le détrôner, lui et tous ceux qui m'intimident ou tenteront de le faire de leur place de plus fort. Toi qui regardes sans agir, tu es complice de mon mal-être. Tu me condamnes sans motif. J'ai fui. Je me suis cachée parce que tes mots m'y ont obligée. Ton jugement m'effrayait. J'ai perdu le sens de l'oubli et depuis cela me tourmente. Mais je dois parler.
pour moi et pour toutes celles qui subissent sans brancher. Car aucune histoire n'est quelconque, ni le mal qu'on vous fait. Maintenant, je n'ai plus peur. Je dénonce.